Hey, Ohio Minasan, c'est Gunsho et aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 4. Et ouais, c'est de retour sur ce jeu qu'on va finir. Du moins l'extension, ce serait pas mal de la finir celle-là. Donc là aussi j'ai un point du dernier épisode à mettre. Donc okay, il faut aller là-bas, que j'ai pas encore découvert. Mais ce sera pas trop tard. Alors, on va mettre dans quoi ? Oh, je vais mettre ça dans ça, tiens. Voilà. Comme ça, mes ennemis goûteront à ma puissance physique. Écoute. Run, bitch! Ma nouvelle arme de mêlée. Bon allez, on va visiter ça, hein. Ouais. On va visiter cet endroit pourri. M'intéresse un peu quand même. Alors, bonjour, enchanté, c'est moi, c'est Gunsho. Voilà. Oh, j'ai pris sa main. Voilà. Ça y est. Serrure me résiste. Il y en a un à eux. Une goutte. Pas comme si c'était possible. Ça sent un peu le roussi. Toi. Mais tu sens toi. Ouais, carrément. Alors, je suis encore cette lampe. Ok, sans intérêt. Je crois qu'elle a eu un souci d'explosif, je crois elle. D'ailleurs j'ai entendu un gros boom, je crois que ça venait d'elle. C'est bon. Pousse-toi.
Ok. Oh. Cool. J'aurais quand même ramassé le cadavre, il est où? Oh putain, il est... Il se renfonce dans le sol comme si c'était... je sais pas quoi. Ok. Père, pousse-toi. La porte est bloquée de l'autre côté par une chaîne. Oh fuck. Tu sors toi, saloperie. Désolé, c'est une bonne odeur qui plane de chez les voisins. Enfin du moins dehors. Ça sent bon, ça sent la viande. Ça donne faim tout ça. Le mec. Alors maître, coffre, appelle-moi ton maître. Enfin si j'arrive à trouver où c'est. Non, pas par là, donc ça va être vers là. Ah, chouïa, voilà. Génial. Bon, pour info, pour les gens qui disent oh putain, mais il fait. Et parfait. Très 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 rapide, il est en train. Enfin, du moins, il ouvre les coffres aussi rapidement et tout. Oh putain. Bon, en fait, c'est simple, montez tous vos points de crochetage et vous arrivez à ce point là. C'est très simple. Vous allez regarder, mais j'ai looté un truc là, assez bizarre. Il est où? L'attaquant. Ok. Apparemment, ça marche au bout. C'est pas un Fat Man, on va dire. C'est, ça lance des boules des boules quoi. C'est. Ouais, je sais que c'est. Mais ça lance des boules quoi. Le mec. Là, c'est le mot des boules. Ok, ça se ouvre. Ça lance des fucking boules de billets. Des boules, ça va. Des boules de bowling, voilà. Ça lance des boules de bowling. C'est assez chelou. Ah, mais ça fait aucun dégât. Je peux récupérer les munitions. Strike! Sérieux? Un bout de bois? Putain. Il aurait pu donner quelque chose de plus intéressant qu'un bout de bois, quoi. Sérieux? Et il manque pas un boulet là? Ah, il est là. Ok, c'est bien, j'ai que 4 munitions. J'espère qu'il y a des munitions quelque part, parce que là, ça va être chaud, là. Y a-t-il des boules quelque part par là? Il y aurait bien des boules, là. Faut pas activer le machin pour donner des boules là, sérieux. Ah si, il y a une boule là-bas. Mouais. Hein.
Fantastique, j'ai gagné une arme qui me alourdit plus qu'autre chose et qui a que 4 munitions. C'est fantastique, hein. C'est un joli lance boule de bowling. Ok. Putain, les gens qui ont créé cette arme, ils ont dit allez, what the fuck, allez, on va faire un lance bowling. Ouais. Putain, vas-y, je suis vraiment lourd là, putain. On va voir ces trucs. Manger ça. Je ramasse pas. Tout ça. Waouh. Ah. On arrive quand là? Putain! Je vais lancer de la boule de viande dans l'océan là. Bitch, le fort jeu.
suis pas taqué, je suis dans l'eau. Putain, mais vas-y, soigne-toi. Ah mais what? Alors, on va mettre des mini plasma. Fuck. fuck. Ah. Désolé Nick, t'es dans le passage. T'es dans le passage, j'y peux rien. J'ai des trucs pour me soigner. Hop là. C'est bon, on est de nuit. On est de nuit, ça doit le faire. Moi. Vas-y, je peux pas sauter là. Voilà. Allez, putain. Ah!
Ah merde! Là c'est ballot. Tu connais ? Ces gens me connaissaient. Ah bon ? Oh putain. Verrez pas eux, hein. Mais s'ils me connaissaient, pourquoi ils m'ont attaqué? Ils sont fait défoncer. Bonjour, au revoir. Ça, c'est vraiment couillon. Intéressant, intéressant tout ça. J'ai bien fait de lui laisser les armes que je lui ai laissées tantôt pour un autre épisode. Ils sont barrés les couilles. Non, je vais pas tomber dans l'eau par contre. J'aime pas vraiment l'eau. Une cuillère en bois, youpi.
fait, ça sert à que dalle cet endroit là. Tu vas rouiller, mon cher ami. Moi aussi, je rouille. J'éviterai d'avaler ça. Essayer de l'ouvrir, mais ils l'ont jamais ouvert. Ok. Joli. Quoi ça? On est pas seul. What? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Qu'est-ce qu'un roi des fangeux se tremble ici là? Ah ouais! C'est sympathique ça. On prend un screenshot. Clairement, il y a un roi fangeux qui se ramène à la fête, sérieux. Un peu déçu, je pensais qu'il y aurait quelque chose d'intéressant. En fait, non, c'est juste leur terrain de dodo. Et... Ouais, j'ai fait tomber le nain! Plouf! Le mec. D'autres intéressants.
Ça, ça me saoule que je sois lourd. Seul quand elle était vivante, rien que pour l'affronter. Ok, donc ça c'est fini. J'avais pas une quête là avec le. Attends, éliminer ça, tac tac, rite de passage. C'est où ça? Le rite de passage, le rite de passage. Et si on se tirait d'ici? Infect dans le coup. On va dire, ça pique. Pas infect, mais ça pique, Kev. Bon, allons affronter cette bestiole là. Mais c'est un petit peu suicidaire de ma part avec le poids que j'ai sur moi. Mais j'ai envie de faire machin. Pas m'énerver. C'est tout? Ah. Oh, légendaire. Merde. On va éviter de crever là, hein. Ouais, 469 de dégâts. Je veux bien 469 de dégâts. Ouais. C'est pas dégueulasse comparé au truc de l'amiral là. Mmh.
je vais ajouter plus de viande. Il n'a pas apprécié le coup de l'arpon. Ils sont sérieux là. Okay. Bon, c'est pas la première reine fangeuse que je tue, mais ouais. Voilà, reine des fangeux. Encore du cuir. Putain de merde là. Et là, pouah. Ok, au moins ce loup il me fera bûcher. Putain, mais c'est chiant ça là, il y a que des. Ils donnent que de ça, sérieux. Thank you.
les steaks. M'en bats les steaks. Sérieux? Ah tiens, regardez qui est là. Top, pourquoi j'ai changé d'arme? Putain de merde. Mais elle est où l'arme? Ah là. Oh. Putain, c'est le binoise en plus, ils font mal ça. Je lui vole. Le café est là-bas. Ok. Putain, mais vas-y, mais monte. Sérieux là. Non mais. Quoi ce bordel là?
Putain, mais c'est quoi ce bug? Vas-y là, ça me saoule. Ça me saoule. Jette. Si on arrive à la fin de cet épisode. Vas-y, recharge. Pourquoi je peux pas avancer? Pourquoi je peux pas aller là? En gros, je pourrais pas looter la créature là. Quoi, ça sert qu'ils font des mobs dans le coin qu'on peut pas y aller, quoi, ça. Eh oh, creuset, allô. Vas-y là. Putain, mais nous la créature là, sérieux. Avec ça, je vais pouvoir creuser la tombe. Ok, bon, ben on va savoir qu'est-ce qu'il y a dans le machin là. Voilà, c'est creusé. Ok.
Ok, bon. Mais sur ce, je vais vous laisser là, sur cette fin d'épisode. Bon, ça a été un petit peu long et éprouvant pour moi. Donc voilà, donc on se dit, à plus tard pour un épisode sur Fallout 4. C'est Guincho. Bye bye.